Bonjour, 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 très chers amis. Une fois de plus, ravi de vous rencontrer en ce matin. Ici, c'est Marcello Lipiano. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Chose promise, chose due. Lors de la dernière vidéo, je vous ai promis de vous montrer comment réussir son interview lorsque vous avez été invité à passer votre interview pour le compte de la loterie à l'ambassade ou au consulat des États-Unis de votre pays. Réussir son interview revient à respecter un certain nombre de règles. Premièrement, c'est le remplissage du document qui vous a été envoyé lorsque vous avez été sélectionné. Un document vous a été envoyé et vous l'avez rempli et à nouveau vous l'avez soumis. Deuxièmement, c'est le respect des examens à vous demander. L'ambassade des États-Unis de votre pays vous enverra une notification. Notification dans laquelle vous verrez les centres médicaux habilités à vous faire passer des examens. Ces examens doivent être faits au moins 3 semaines avant la date de l'interview. L'on vous remettra une enveloppe scellée, l'enveloppe dans laquelle se trouvera vos résultats. Vous devez garder cette enveloppe scellée ainsi que le CD que l'on vous remettra. Troisièmement, être ponctuel. Avant la ponctualité, je parlerai d'abord de l'habillement. Comment est-ce que vous devez être habillé pour passer votre interview? Soyez tout simplement habillé, soyez tout simplement propre. Vous pouvez mettre une tenue d'apparat, vous pouvez mettre juste une chemise. Vous pouvez mettre une tenue traditionnelle. Soyez tout simplement propre. C'est tout ce qui vous est demandé. La ponctualité. Vous devez arriver au consulat ou alors à l'ambassade de votre pays avant 7 heures du matin pour prendre le rang, pour vous aligner, puisque il commence à recevoir à 7h30, dépendamment des états dans lesquels vous vous trouvez. Un autre point, c'est le respect des règles de sécurité. Lorsque vous entrez à l'ambassade, l'on va vous demander de vous débarrasser de tous les métaux. De grâce, débarrassez-vous de tous ces métaux. L'on vous demandera d'éteindre votre téléphone. De grâce, veillez l'éteindre. Parce que au cas où par mégarde, on trouve des métaux sur vous ou un téléphone portable, vous risquerez d'être suspendu pour non seulement votre interview, mais être suspendu pour toute autre demande de visa en direction des États-Unis. La tenue dans l'enceinte du consulat ou alors de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez déjà été invité à entrer à l'ambassade. Soyez posé, soyez simple, soyez confiant, soyez vous-même. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour des renseignements, mais surtout soyez discret. Lorsque vous allez accéder à l'ambassade, vous allez payer les frais des visas à vous demander et déposer tous les documents. Je tiens à rappeler ici que si vous avez joué en tant que marié, prenez le soin d'apporter
avec vous, votre acte de mariage, votre acte de naissance, l'acte de naissance de votre épouse, si vous avez des enfants, que vous avez déclaré, ayez les actes des enfants, toutes les pièces justificatives, ainsi que des personnes, parce que l'on voudrait voir les personnes que vous avez déclarées. Le dernier point, c'est lorsque vous êtes invité à passer devant l'ambassadeur ou le consul, vous serez appelé à prêter serment. Soyez sûr que tout ce que vous avez rempli, vous l'avez mémorisé. Il y a un dicton qui dit « La meilleure défense, c'est l'attaque ». Lorsque vous êtes invité à passer devant le consul ou l'ambassadeur, soyez le premier à lui adresser la parole. Faites comme moi. Moi, quand j'étais passé à l'interview, sachant que mon niveau d'anglais était trop bas, j'ai été le premier à lui dire bonjour. Et quand vous lui dites bonjour, il sait automatiquement que vous parlez français et que ce soit l'ambassadeur ou le consul, ce sont des personnes parfaitement bilingues. Il va vous parler en français. Soyez sûr que vous maîtrisez toute votre paperasse. Ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite lorsqu'il vous parle. Il faudra les fixer droit dans les yeux lorsqu'il vous parlera. Car pour eux, lorsque ils vous parlent et que vous ne regardez pas en face, ça suppose que vous, non seulement ce que vous dites n'est pas vrai, vous leur manquez du respect. Voilà un peu en gros les différentes règles qu'il faut pour réussir votre interview. À vos marques, prêts. Bonne chance pour ceux-là qui devront passer l'interview cette semaine, je veux dire la semaine prochaine. Beaucoup de courage à ceux qui préparent encore leurs interviews. Tout ce que je vous demande en ce matin, c'est de continuer à partager la vidéo, de continuer à liker, surtout le mot d'ordre, souscrire. Bonne journée à vous et beaucoup de courage. Ciao.